Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien, tu découvres le niveau professionnel. Comment trouves-tu ceci? Alors, c'est très exigeant. À Toulon, j'ai pas eu la chance de faire une prépa physique. J'avais fait une prépa de début de saison avec les professionnels. Donc là, c'est la première et c'est très exigeant, que ce soit sur le plan physique, technique, et ça demande beaucoup de récupération. La première semaine était un peu dure, mais là, ça va un peu mieux. Mais je suis content, c'est bien, c'est le haut niveau. Tu es le petit jeune derrière deux joueurs d'expérience. Quelles sont tes attentes et tes objectifs sur la saison? Bah, mes objectifs, c'est d'avoir le maximum de temps de jeu possible. Mais au-delà de ça, avec deux joueurs qui ont cette carrière, c'est d'apprendre sur le poste, et que ce soit sur les phases de conquête, la mêlée, la touche ou même dans le jeu. Je pense qu'avec les carrières qu'ils ont, ça pourra m'apporter. Et puis, ça peut être que positif pour moi. Tu as un contrat espoir? Continues-tu en parallèle des études ou une formation professionnelle? Alors j'ai déjà validé les. Enfin, sur 3 ans, j'ai validé ma licence à l'IAE de Toulon. Donc là, ça a été compliqué pendant 3 ans. Et là, je pense plutôt faire une formation d'anglais pour à la fin de l'année passer le TOEIC. C'est un concours qui permet de valider certains niveaux d'anglais. Voilà, pour perfectionner mon anglais, je trouve que c'est important pour la suite. Parfait, merci beaucoup.